Nous allons démontrer cette formule trigonométrique en partant du membre de gauche de l'égalité. Nous allons calculer ce membre de gauche en espérant de trouver le membre de droite. Ici, nous voyons sin plus sin et là cos plus cos. Ça rappelle fortement les formules de Simpson. Sin plus sin, ça donne 2 fois le sinus de la moitié de la somme des angles fois le cosinus de la moitié de la différence des angles. Et cos plus cos, par la formule de Simpson, ça donne 2 cos cos. Ici, nous avons un produit qu'il faut élever au carré, et là également. Et pour cela, on élève chacun des facteurs au carré. 2 au carré, ça donne 4. Sinus de alpha plus bêta demi au carré, le voilà ce carré. Idem pour le carré de cosinus de alpha moins bêta demi, le voilà. Exactement la même chose à droite. Dans cette somme, nous voyons que nous pouvons mettre le 4 en évidence, ainsi que ce facteur cosinus au carré de alpha moins bêta demi. Alors mettons ces deux facteurs en évidence et regardons ce qui nous reste entre parenthèses. Il reste sinus au carré d'un angle plus le cosinus au carré du même angle. Ben ça donne 1 par la loi fondamentale de la trigonométrie. Donc il reste une fois ce produit-là, c'est-à-dire ce produit-là. Et c'est exactement ce qu'il fallait trouver. L'exercice est déjà terminé.